Bonjour à tous. Le croiseur cuirassé Chanzy a été construit pour la marine française à la fin du 19e siècle. Ce type de navire, connu sous le nom de croiseur cuirassé ou croiseur blinde, combinait les caractéristiques d'un croiseur et d'un cuirassé, avec une armure suffisante pour se protéger des attaques d'artillerie et une vitesse élevée pour se déplacer rapidement en mer. Le croiseur cuirassé Chanzy a été posé sur cale au chantier naval de Brest en 1891 et lancé en 1893. Il a été mis en service la même année. Il a été nommé en l'honneur du général français Antoine Chanzy, qui a servi pendant la guerre franco-prussienne et la guerre franco-prussienne. Le Chanzy, fleuron de la classe amiral Charnay, symbolisait la puissance navale française naissante à la fin du 19e siècle. Inspiré par les croiseurs cuirassés britanniques, le Chanzy représentait une évolution majeure dans la conception navale française. Le Chanzy était le deuxième d'une série de six croiseurs cuirassés de la classe amiral Charnay, tous dotés de caractéristiques similaires. Cette série a permis à la France de se doter d'une flotte moderne et puissante capable de rivaliser avec les autres grandes nations maritimes. Il a été l'un des premiers navires français à être équipé de la télégraphie sans fil. Le croiseur cuirassé Chanzy a joué un rôle important lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1895, un conflit majeur entre l'Empire du Japon et la dynastie Qing de Chine pour le contrôle de la Corée. Son engagement dans ce conflit marque le début d'une série d'opérations qui mettront à l'épreuve ses capacités et son endurance. La guerre sino-japonaise se déroule dans un contexte de tensions géopolitiques intenses en Asie. Le Chanzy, intégré à l'escadre française d'Extrême-Orient, est appelé à intervenir dans divers points stratégiques du conflit. Pendant la guerre, le Chanzy a été chargé de missions de surveillance des mouvements navals dans la région, fournissant des informations précieuses aux autorités françaises. Son équipage a également participé à des missions de sauvetage et de secours, apportant une assistance humanitaire aux civils touchés par le conflit. Le Chanzy a contribué au succès des forces françaises et à la protection de ses intérêts en Extrême-Orient. Son implication dans la guerre sino-japonaise a renforcé la position de la France comme puissance navale incontournable. Son expérience dans la guerre sino-japonaise a permis d'en tirer des leçons précieuses pour le développement de la marine française. Il a contribué à affirmer la puissance et le prestige de la France en tant que nation maritime. Le Chanzy a été décoré de la Croix de guerre pour sa participation à la guerre sino-japonaise. Après la guerre sino-japonaise, le Chanzy retourne en Méditerranée et reprend ses missions de protection des intérêts français dans la région. Il participe à des exercices navals, des démonstrations de force et des opérations de surveillance. Il sert également de navire-école pour la formation des jeunes officiers de marine. Le Chanzy est modernisé à plusieurs reprises au cours de cette période. Son armement est amélioré et sa propulsion est modernisée. Le Chanzy est également impliqué dans les conflits coloniaux français de l'époque. Il participe à des opérations de maintien de l'ordre en Afrique et en Asie. Le Chanzy a participé à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Il symbolise l'ingéniosité française, le progrès technologique et l'ambition d'une nation qui se projetait vers l'avenir. En 1907, le Chanzy, alors âgé de 13 ans, effectue un voyage en Indochine française. Le 29 mai, alors qu'il navigue dans les eaux troubles du golfe de Siam, il heurte un banc de sable et s'échoue irrémédiablement. La canonnière allemande SMS Lux propose son aide pour le renflouement, mais le commandant français refuse, préférant attendre l'arrivée de secours français. Le commandant du croiseur cuirassé Chanzy, le capitaine de vaisseau Auguste Penhoët, a refusé l'aide par crainte que les Allemands ne profitent de la situation pour espionner le navire français. Les tentatives de renflouement du Chanzy ont été compliquées par le mauvais temps et la nature sablonneuse du fond marin.
Les tentatives de renflouement par les moyens disponibles échouent, laissant le Chanzy prisonnier des eaux. Le 30 mai, après plusieurs jours d'efforts infructueux, la décision est prise de saborder le Chanzy pour éviter sa capture par les ennemis. Des explosions contrôlées provoquent le naufrage du navire, engloutissant une partie de son histoire et de ses secrets. Le naufrage du Chanzy constitue une perte importante pour la marine française. L'épave du navire gît toujours dans les eaux du golfe de Siam, un vestige silencieux d'une époque révolue. L'épave du Chanzy a été découverte en 1996 par une équipe d'explorateurs français.
Merci pour avoir regardé.